Papy, tu les as connus, toi, les moulins à vent? Oui, j'en ai vu. Il y en a encore quelques-uns, en Vendée, en Beauce, dans le Nord. À quoi ils servaient? Ils servaient à moudre le blé pour faire de la farine. Mais dans les pays où il n'y avait pas de vent, on les remplaçait par des moulins à eau, avec des barrages sur les ruisseaux et les rivières. Et la marchande, tu l'as connue? Oui, elle vendait des jouets pour enfants. D'ailleurs, tu peux construire toi-même ton moulin avec une couverture carrée de caillé que tu découpes en quatre diagonales, presque jusqu'au milieu. Tu piques une épingle au centre et tu cloues sur un morceau de bois. Et voilà, quand tu cours, c'est un moulin à vent. Très facile à faire. D'accord, on va en faire un. Mais est-ce que les hommes d'aujourd'hui construisent encore des moulins à vent? Oui, de très grands, très beaux, avec une énorme hélice d'avion. On les met dans des régions où le vent souffle très fort. Et ils en construisent 5 ou 10 ou 100, alignés au même endroit. Et c'est pour moudre le grain? Ah non, non. On moule le grain à l'aide de l'électricité. C'est pour quoi faire alors? Ah, devine un peu pour voir. C'est pas pour faire de l'électricité quand même. Eh bien, si, justement. Papy, ils ont de drôles idées quand même, les hommes. Tu trouves pas? Je vends des moulins à vent, qui tournent au souffle du vent. Je vends des moulins, monsieur, des moulins à vent, qui tournent mes moulins au souffle du vent. Je vends des moulins, monsieur, des moulins à vent, qui tournent mes moulins au souffle du vent. Je vends des moulins, monsieur, des moulins à vent, qui tournent mes moulins au souffle du vent. Je vends des moulins, monsieur, des moulins à vent, qui tournent mes moulins au souffle du vent. Souffle, souffle, monsieur le vent, pour que tournent mes moulins à vent. Maintenant, tu as bien compris, après le chant, c'est à toi de chanter.